Les activités menées sur la production de tomates sous abri dans les conditions du sud Bénin, notamment ici à Ansation à Concamin, au centre de recherche agricole de Concamin, au niveau du sous-programme culture maraîchère. Ici, c'est la production de tomates sous abri, plus précisément la variété de tomates Padma. Et ici, le dispositif est constitué de 4 traitements sous abri. Là, vous avez le traitement où l'irrigation est effectuée tous les 2 jours, donc toutes les 48 heures. La pollution par rapport aux témoins est nettement plus améliorée. Et les plants continuent d'émettre des fleurs. Même à plus de 2 mètres de hauteur, ça continue d'émettre des fleurs. Cependant, on a quand même quelques incidences des anthomonas, comme vous le voyez sur les feuilles, dues à l'humidité. Et c'est à même le sol. Donc voilà un peu le comportement, le développement des plants. Et si vous voyez, le niveau de la production de tomates n'est pas mal, très intéressant, avec des plants vraiment chargés en fruits, comme vous pouvez le voir sur ces différents plants. Vous voyez comment les plants sont chargés en fruits. Et les plants ont été palissés verticalement et conduit sur un bras, comme vous pouvez le voir ici. C'est des plants qui ont pu atteindre 1 mètre de hauteur, 1,5 mètre, 2 mètres de hauteur. De l'autre côté, vous avez le même traitement, mais ici en hors sol. Ici en hors sol, avec arrosage tous les 2 jours et toutes les 48 heures. Et si vous voyez les 2 traitements, vous voyez que le traitement en pot, en hors sol, est moins développé par rapport au traitement à même le sol pour la même fréquence d'irrigation. Ici, le conseil est que beaucoup de plants ici ont souffert de la pourriture apicale, tel que vous pouvez le voir ici. On a constaté que l'absence de calcium a entraîné, vous voyez ici, tel que c'est le cas là, vous avez beaucoup de fruits qui ont présenté ces caractéristiques de pourriture apicale au niveau de ce traitement. Cependant, la pollution n'est pas mal et les données sont en cours de collecte et on prendra les données jusqu'à la fin de la récolte avant de revenir pour pouvoir comparer véritablement le traitement. À ce niveau, vous avez ici aussi toujours en hors sol le même traitement mais arrosé tous les jours. Ici, la fréquence d'irrigation est journalière, on arrose tous les jours. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, les plants sont bien développés, bien chargés en fruits, comme vous pouvez le voir.
Les données relatives à la température sous serre ont été collectées, l'humidité, température et les paramètres phénologiques, les dates, 50% floraison, 50% fructification. Tout ceci, ça va nous permettre plus tard de faire des recommandations lorsqu'on veut produire de la tomate sous serre. Donc ce traitement sous serre et qui est en hors sol et avec irrigation tous les jours est comparé maintenant à ce traitement ici et à même le sol où l'irrigation aussi est journalière. Comme vous pouvez le voir, les plants sont vraiment chargés en fruits. Et la production, le niveau de production quand même observé est très intéressant, pratiquement au niveau de tous les plants. Et on observe quand même quelques plants qui ont pétri. Des observations ont été faites dans ce sens pour voir si le fructissement est dû à quoi. Voilà le travail qui est fait sur la production de tomates sous abri. Et ces données vont permettre de faire des propositions pour les producteurs qui voudront s'installer, qui voudront produire de la tomate. Voilà. De l'autre côté, vous avez les deux traitements, le dispositif hors sol. De ce côté de la serre, c'est une serre de 300 mètres carrés. 30 mètres sur 10 mètres. Donc, d'une part, vous avez le dispositif hors sol et de ce côté, vous avez le dispositif à même le sol. Vous avez le dispositif où nous avons fait 4 traitements. Donc, 2 traitements qui ont reçu, même en fréquence d'irrigation, toutes les 48 heures. Et l'autre traitement où l'arrosage a été tous les jours, comme cela se verra. Comme vous le voyez, ici, les dernières informations vont permettre de voir si la pollution sous serre avec l'intérieur qui est paillé avec du moss plastique et toutes ces informations, l'irrigation, le nombre de désherbages. Et ceci est comparé à un témoin qui a l'extérieur. Et ces informations collectées vont permettre de faire des analyses et de comparer la pollution sous abri aux témoins extérieurs. Ici, vous avez le témoin qui est en cours de comparaison avec la pollution sous abri. Et comme vous le voyez, ici les plants sont tuturés. C'est pas le même niveau de tuturage, mais il faut avouer que le mode de conduit sous abri est différent du témoin, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà un peu le niveau de production. Comme vous l'avez constaté ici, on n'a quelques plants malades, contrairement à plus de plants présentant des symptômes. C'est toujours la variété Padman qui est installée ici aussi. Voilà un peu le niveau de production. Et à la fin des données, lorsque nous aurons toutes les données collectées sur le poids, le nombre de fruits récoltés, la quantité de fruits par plant, nous allons analyser pour faire une comparaison des différents traitements pour voir lesquels on peut recommander.